Je procède maintenant à l'inauguration officielle, bien que nous n'ayons pas d'élus présents, mais nous avons des élus qui nous soutiennent, pour inaugurer la ZAD, zone à défendre, de Marquichane. Les opposants à la déviation nord de Marquichane ont donc inauguré ce week-end une ZAD en bordure de la 116. Clin d'œil évidemment à Notre-Dame-des-Landes, une action symbolique. Si les pouvoirs publics persistent sur ce projet, ça ne durera pas. Nous passerons dans un phasage autre, dans un temps futur. Mais en l'état du dossier à l'heure actuelle, nous sommes dans la symbolique. Pendant des années, les habitants de Marquichane ont pensé que la déviation passerait au sud de la commune. Certains ont donc construit ici, au nord, en toute quiétude. Même l'ancien maire a été surpris par le choix l'an passé de la préfecture. Il a dû interrompre les travaux de sa future maison. J'ai commencé à décaisser, sauf que j'ai arrêté les travaux là maintenant, puisque je n'ai pas envie d'engager plus de fonds. J'en ai déjà suffisamment engagé. Je n'ai pas envie d'en engager davantage, compte tenu que il y a cette épée de Damoclès qui... pas envie de construire sur le national. Une seule chose fait l'unanimité à Marquichane, l'urgence de dévier la circulation du cœur de la commune.